J'habite la commune de Saint-Agnan. J'ai été élevé par ma grand-mère dans la ferme familiale. Alors, bon, pour raconter un peu l'histoire totale du départ du lac, avant le lac. Donc là, c'était au moment du ramassage du foin dans les prairies, dans ce qu'on appelait la faunasse. C'était du petit foin qui poussait là sur des prairies qui étaient très humides, des prés de foin. Ça se passait exactement de la façon suivante. Ils coupaient avec une faucheuse ou des fois au dard, hein, à la faux. Ensuite, c'était fané à la main, ramassé. Et nous, enfants, on leur donnait un coup de main, on ramassait le foin. Soit c'était tiré par des bœufs, comme là, ou autrement des chevaux. C'était la période, ça, des années 60, 57, 60. J'avais environ 9 ans. À cette époque-là. Là, c'est à peu près les mêmes dates, à quelque chose près. C'est la rivière, c'est l'île de la rivière. C'était un petit cours d'eau, mais enfant, on barrait la rivière et ça faisait monter un peu l'eau, donc on appelait ça un gore parce que ça mangeait sur les prés. Et donc on venait se baigner, c'est là que j'ai appris à nager et tout. On descendait après les foins, vous voyez, les foins ont été coupés là, ça se voit bien. Alors donc on venait se baigner, on était heureux, il n'y avait pas de soucis à ce moment-là. Là, c'était un tout petit peu plus tard, mais c'était à la pêche. Et là, la rivière, on l'aperçoit dans le trou. Ensuite, est arrivée la construction du lac. Les premières étapes étaient les suivantes. C'était au milieu de la forêt, depuis les chereaux, de tracer une route qui n'existait pas, ni chemin, ni route, rien. Hein. C'était tout fait à la dynamite, parce que c'était dans la roche. Et accéder au point où il y a eu la construction de la digue. La deuxième étape était la suivante, c'était de creuser, de faire un ancrage. On ne voit pas bien sur les photos, mais bon, il y avait un ancrage, de creuser pour sceller, enfin, mettre un support à la digue, quoi, bien l'ancrer dans le sol. Et ce qu'on aperçoit en noir là derrière, c'est l'évacuation d'eau, enfin c'est l'appel quoi, c'est où l'eau s'en va sur la pierre qui vient, après elle reprend son cours dans la rivière. Ensuite il y avait les gros œufs qui ont été faits en béton, c'est la partie évacuation de l'eau, l'appel sous la digue, ça. C'est, la digue a été construite après au-dessus. Ensuite il y a eu la tour qui a été montée, la tour donc où l'eau est captée et emmenée à l'usine en bas de retraitement d'eau. Ensuite, là, on voit un tout petit peu mieux. On revoit la tour qui est bien dans l'eau, ça, et donc la canalisation est dessous. La digue s'est construite, et au fur et à mesure qu'elle montait en terre, hop, l'eau montait aussi. Et là, ce qu'on voit en blanc, c'est les pierres qu'on empilait devant pour éviter les vagues du lac de manger la digue. C'est un chargeur qui est parti. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, donc il est parti à marche arrière et là il est rentré dans l'eau et on l'aperçoit là. Et là je suis en train de. On croit que je suis en train de me baigner, mais non, je passe des câbles dessous la lame pour pouvoir avec la pelle lever la lame et pouvoir le tirer. Là on la voit bien. On voit le bulle qui est en train de sortir, le chargeur, la pelle qui lève pour lever la lame et la traction du bulle pour le sortir de l'eau. Et j'ai une photo après que j'avais prise comme ça. Il y avait une usine qui commençait à se construire. L'eau repassait là derrière et retournait à son lit d'origine. Là on descendait, là il y avait des prés. Donc là ici c'était toute la partie des prairies, jusqu'à peu près au milieu du lac. Après il y avait la rivière qui passe en plein milieu. Et l'autre côté, bon, c'était les autres propriétaires du côté des Niffet, du Michaud et tout. Tout là, c'était des champs, quoi, des prés. Hein.
des prés de fond, on appelait ça des prés de fond. On fauchait et après on y mettait les bêtes. Parce que ce qui avait un avantage, c'est que l'été, ça ne séchait pas, c'était prés de fond. Et on avait toujours une petite herbe qui poussait et on était heureux d'avoir ces trucs-là par rapport au plateau qui desséchait et que l'herbe venait toute jaune, quoi. Séchait sur pied. Alors qu'ici, c'était vert, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, ça se voit l'aspect comme ça. Hein. C'était pas des tourbières. Hein. Faut pas appeler ça une tourbière, c'était des prés de fond. C'est-à-dire c'était assez vaseux, mais quand il faisait beau, on pouvait passer partout. Il n'y avait qu'un endroit qu'on passait très mal, c'est là environ à 30-40 mètres. Là, on mettait des fagots de bois sous les roues empilées en long, comme ça, des fagots de bois, et ça faisait un pont. Et donc, ça, tous les ans, ça rentrait dans le truc. Et tous les ans, ma grand-mère, avec les voisins, ils en remettaient pour passer avec les chevaux. Parce que les bœufs passent très bien dans la boue, alors que les chevaux, non. Les chevaux ont vite fait de s'enliser. Ici, ça s'appelait les buttes. Pourquoi les buttes? Je ne sais pas. Peut-être parce que c'est un peu domé et tout. Et là, on fauchait tout là, jusqu'à... Vous voyez là, il y a un rétrécissement du lac, cet endroit-là. Là. Il y a une ancienne digue qui est dessous. Et nos prés allaient jusque-là. Et il y avait des ruisseaux qui passaient. On rappelle, nous, enfants, on buvait l'eau des ruisseaux. Hein. C'était... Puis on n'est jamais tombé malade. Hein. C'était de l'eau de source, hein, ça, il n'y avait aucun engrais à ce moment-là, aucun pesticide, il n'y avait rien. Donc on était vraiment heureux. C'était vraiment un truc de liberté. Parce qu'il y a encore aujourd'hui un peu du Morvan, on a un esprit de liberté ici, c'est beau. C'est... Il y avait des endroits qu'on ne pouvait pas aller avec les chevaux ou avec un engin mécanique, donc on fauchait à la main, ça fauchait au dard. Et où ça pouvait aller, c'était des faucheuses à roues en ferraille, et qui faisait tourner avec une bielle, et donc on mettait deux chevaux, deux bœufs devant, et puis ça coupait environ un mètre dix de large, c'était déjà pas mal, hein. C'était déjà des belles faucheuses déjà. Parce que les chevaux, on venait par contre au lever du jour, et ça, les gars ils coupaient jusqu'à 9h, 10h, pas plus, pendant 3 à 4 heures, parce que les chevaux ils étaient vraiment là en sueur, mais ils venaient de très bonne heure pour pas avoir la chaleur, pour pas esquinter les chevaux, ou les bœufs, pareil. Même système. Une fois que c'était fauché, donc on venait avec des faneuses, il y en a qui fanaient à la main. Moi, j'ai vu faner les autres à la main, mais dans la ferme où j'ai été élevé par ma grand-mère, on n'était pas, il y avait déjà, on appelait ça des faneuses, c'était un genre d'embilage qui tournait comme ça et qui prenait des fourches, des fourchettes, quoi, comme ça. Et pouf, ça faisait un battement comme ça, et ça jetait déjà, c'était vraiment bien. Puis après, pour rateler, on appelait ça une rateleuse. C'était plein de dents comme ça, et avec un cheval, ou enfin, généralement, c'était tiré tout le temps par un cheval, ça. Et là, à ce moment-là, quand il y avait assez sous soi, on le voyait, hein, on voyait, hop, on appuyait sur une pédale, et ça levait les dents, et ça faisait échapper le foin, et donc, après, ça faisait un andin, ce qu'on appelait un andin. Et là, après, il arrivait donc pour le ramassage, et là, les gars qui étaient les plus costauds, les fermiers les plus costauds, ils prenaient une fourche à trois dents, comme ça, trois dents en bas, et une dent comme ça de par-dessus. Et ils prenaient l'embin, ça tassait un peu, et hop, ils jetaient sur le char. Et sur le char, moi, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à en faire. J'ai commencé à prendre les fourchers. C'était dur, hein, c'était quand même assez dur, mais on avait tellement de récompenses après. C'était pas des récompenses d'argent, à ce moment-là, c'était des récompenses chocolat, des trucs de un peu de gourmandise, et puis après, la liberté d'aller jouer. Donc on redescendait ici, parce que notre lieu privilégié pour jouer, pour un enfant, c'est l'eau. Hein. Donc c'était la rivière ou l'étang des Avants. C'était l'un ou l'autre, mais on se retrouvait généralement. Et donc on retrouvait en plus nos copains qui venaient de l'autre côté des villages, parce qu'on appelait ça côté nord, côté sud de la rivière. Hein. C'était oh, mais il habite de l'autre côté, lui. Pourtant de la même commune, mais bon, c'est comme ça. On faisait les foins là derrière, et donc le passage là, on reprenait par ici, et les chevaux et les bœufs remontaient, tiraient les chariots de foin qu'on avait chargés, et remontaient jusqu'au village, aux Amants, dans les fermes. Et c'était assez magique de voir ces animaux se donner comme ça pour l'homme. Les chevaux tiraient, et c'était quand même, là ici c'est un peu plat, vous voyez, le chemin n'était pas tellement large, parce que les arbres là, qu'on poussait, ils étaient tout petits. Mais c'est le vrai passage, c'était les passages de pierre. Là. C'était les champs de chaque côté.
Et donc là, c'était assez raide, quoi. C'était très dur à monter. C'était toute la forêt, comme on voit un peu en face. Il y avait quelques sapins, comme on aperçoit là-bas en face, des, quelques trucs, mais pas des grands massifs comme l'autre côté. Ça, c'était des sapins qui étaient plantés comme ça par un gars qui disait « Bon, ben, je plante une partie de sapins dans un terrain que je peux rien faire. » C'était pas des grands groupes, quoi. D'ailleurs, on le voit bien, là, tout autour, c'est resté que des bois de particuliers. Ce n'est que du feuillu. Il y a très peu de sapins. Il y a des endroits, elle faisait peut-être 1 mètre, 1 mètre 50 dans les gores, où ça creusait beaucoup, ça tapait. Autrement, elle faisait 30, 40 cm, hein, pas plus. Hein, mais elle était assez à plat. Donc, il y avait des petits endroits, des petites cascades, donc ça courait. Alors là, il n'y avait pas beaucoup d'eau, il y avait 10 cm, hein, ça courait sur le. Mais après, des endroits où ça allait moins vite. Donc là, à ce moment-là, il y avait 30, 40 cm, hein, mais. On s'amusait pas à passer partout parce qu'il y avait des surprises quand même. Il y avait des trous, puis c'était un peu glaiseux, c'était un peu. Donc on connaissait nos endroits pour traverser la rivière à pied. Hein. Ce qui me manque un peu, c'est par contre si c'est l'époque qui me manque. C'est la façon qu'on vivait. C'est tout, il n'y avait pas de soucis. Aujourd'hui, on vit dans une société quand même que les heures, on calcule tout, c'est tout calculé. À ce moment-là, il n'y avait pas le prix de l'heure, on ne comptait pas son temps. C'est quelque chose, on ne disait pas il faut 5 heures pour le faire, il faut 10 heures pour le faire. Ça mettait le temps qu'il fallait le faire et c'est tout. Il n'y avait pas de. Donc on ne se prenait pas la tête comme aujourd'hui. Il n'y avait pas les soirs, finances. Ça, c'est ce que je regrette. C'est ce que je regrette beaucoup. On était là, on oubliait tout, hein, tout ce qui peut se passer. Et pourtant, moi, j'ai vécu des endroits, j'étais en Afrique, j'étais un peu partout. Tous les pays européens, je les ai pratiquement tous faits. C'est Satanian qui m'a toujours manqué, tout le temps. Dans tout mon service militaire, je l'ai fait en Allemagne. Quand je repassais le pont de Kiel, je dis franchement, je faisais la France, ma France, et quand j'avais laissé mon Morvan. Et c'est ça. En automne, ici, on a l'impression, dans le rétrécissement, si on prenait une photo dans l'autre sens, on a l'impression d'être dans les grandes rivières du Canada. Ça donne exactement le même effet. D'ailleurs, j'ai envoyé des photos des fois sur Facebook à des amis. Ils me disaient, mais t'es au Canada, t'es où là? Là, je dis non, je suis à Saint-Agnan, chez moi. Et ils trouvaient ça magnifique, quoi. C'est vraiment beau. Très beau lac. C'est pour ça que j'en partirai pas, je resterai ici. Jusqu'à la fin.